Bonjour mes gens, ça roule? Moi ouais, moi ouais, je roule tellement que je tourne, regardez, je tourne là ici, je tourne. Ah ouais, bon bah alors je vous explique pourquoi j'ai commencé comme ça. Bah, je tourne, bah c'est pour faire un clin d'œil au cinéma à l'ancienne. Donc ça c'est une ancienne caméra, une ancienne caméra. Donc elle enregistre et elle le projette aussi. Donc c'est des caméras qui existaient, bon, qui existent depuis 1950 voire jusqu'à 1970 voire plus. Après bon, dans les cinémas à la rigueur, je crois qu'ils utilisent encore ça, mais juste pour projeter. Et ça c'est encore plus vieux. C'est le même principe que ça. Mais à part que c'est un fusil, tout simplement. Donc, bah oui, je présente d'abord mon décor. Bon, bah alors je présente mon décor. Je vous ai fait montrer ça. Ça va faire partie du futur décor. Alors, vous connaissez déjà le drapeau de la France. Vous connaissez le drapeau de la Flandre. Ça, en haut, dans le carré bleu, c'est ma ville, mais en 1700. Vous le verrez mieux dans quelques semaines. Je vais avoir une nouvelle caméra, deux nouvelles caméras. Résolution, bah, seront un peu meilleures. Là, actuellement, je tourne en 3 mégapixels. Donc, c'est-à-dire une résolution qu'en webcam qui existe depuis déjà un bon 10 ans. Donc, celle-là, elle date de. Cette, la, la webcam qu'il est en train de filmer, bah, elle correspond à peu près à 10 ans. Donc, bon, bah, elle devient vieille, quoi. Mais elle fonctionne encore, la preuve. Sinon après, bon, il y a là un petit décor en deux plantes parce que moi j'adore les plantes. Ici, il y a une montre qui fonctionne bien sûr. Ouais, qui fonctionne et qui il est en retard. Il est 15h. Il est 15h, elle retarde déjà de 1 heure. J'ai mis une pile hier et elle retarde déjà de 1 heure. Bon bref, c'est pas grave. Sinon, à part après, bon, ben, il y a d'autres éléments des décorations qui vont venir. Et bon, ben, comment vous expliquer, qui vont agrémenter là, ici, que je vais vous présenter dans la vidéo, bien sûr, évidemment. Mais il faut que je fasse un montage, bien sûr, évidemment. Mais bon, c'est pour faire une mise en scène, bien sûr. Donc, comme c'est une vidéo de présentation, je me présente. Donc bah moi je me présente, c'est mon pseudo c'est Lulu59, 820 bien sûr. Bah pourquoi je fais une vidéo sur YouTube et que je fais une chaîne? Bah je décide que bah, ça me manquait. Bah ça faisait quand même 4 ans que j'avais pas fait de vidéo avec montage. C'est-à-dire un sacré bout de temps. Donc j'ai décidé de me relancer. Me relancer. Bah, c'est un loisir, l'informatique c'est devenu un loisir. Mais bon, bah là, j'en profite un petit peu plus, quoi. Je vais pouvoir en profiter et passer à une petite étape en plus, quoi. Une petite évolution dans la technologie, quoi. Ah, je suis quand même un petit peu en retard quand même. Quand vous voyez que j'ai une webcam qui date déjà de au moins 10 ans, c'est quand même assez bizarre, oui. Bon, bah, bref, aussi. Bon, avant de faire des vidéos sur YouTube, comme c'est la première, je faisais des vidéos depuis sur Dailymotion, ce qui me permettait de publier sur Facebook, tout ça. Mais Dailymotion, je l'arrête pas, mais je préfère YouTube parce que c'est plus facile, c'est une application qui fonctionne plus facilement sur mes portables. Donc, je peux me revoir plus facilement. Donc voilà. Bon bah comme loisir j'ai quoi basket, carnaval. Bon bah généralement ceux qui me côtoient dans les réseaux sociaux, j'ai comme pseudo Ludovic 59 820, j'ai Albator 59. Bon j'ai eu des autres pseudos mais bon c'est pas ceux que j'utilise actuellement mais c'est pas grave. Bon généralement ceux qui me connaissent, ils connaissent déjà mes loisirs. Donc pour ceux qui connaissent pas mes loisirs, j'ai déjà dit il y a le basket, le carnaval, le cyclisme, l'informatique. Je suis un collectionneur de Panini, c'est aussi pour ça que je crée aussi une chaîne YouTube, parce que j'ai envie de faire profiter mes collections aux autres, bien sûr. À part ça, bon, il y a tellement de trucs comme loisirs. Ah oui, je courais.
Bon, j'ai arrêté parce que pour cause de maladie, bon, évidemment. Je faisais de la compétition en basket, course à pied aussi. En course à pied, j'ai été classé 3 fois dans le district du Dunkerquois en tant qu'individuel. C'est-à-dire que bon, bah, c'était un classement avec des challenges par points. Et il fallait marquer des points au fur et à mesure des courses, quoi. Et au bout de 10 courses, il faisait le cumul et il retirait la plus grosse, je crois. Non. Il retirait une course sur les trucs et ça faisait un classement. Donc, les meilleurs, les sportifs pas en individuel, je veux dire en club. Donc, il y avait en club, bon, bah, évidemment, les meilleurs c'était en club, mais les individuels étaient privilégiés parce qu'ils venaient faire le challenge. Donc, c'est pour ça aussi que j'étais classé dans les 30, quoi. Mais en réalité, peut-être le premier classement, j'avoue, j'étais dans les 30 premiers. Parce que le challenge, il n'était pas très connu. Et au fur et à mesure des années, quand on s'est approché des JO de 2012, il y a eu beaucoup plus d'athlètes qui sont venus courir sur le challenge, plus les montées, c'est-à-dire les poussins qui sont devenus Benjamin et qui sont venus seniors. Donc, bon, bah, ça a fait que beaucoup de monde qui est venu sur les populaires. Bon, effectivement, je ne vais pas m'en plaindre. Déjà 3 fois dans le district du top 30, dans le top 30 district de Dunkerquois, c'est déjà pas mal. Et j'en suis fier d'ailleurs. Donc, bah, je courais, je courais, je courais. Et bah, je courais. Et puis bah, maintenant, j'ai décidé de. Je courais de me raccrocher à YouTube, dont la fameuse chanson que vous connaissez, le SOS de. Comment s'appelle Michel Berger. Et je cours, et je cours. Et je me raccroche à YouTube. Bien sûr, je plaisante, moi, c'est fait une blague. Bon, bah, ça c'était la nouvelle présentation de la décoration. Voilà. Enfin, je me dis, si tu fais une vidéo sur YouTube, autant le faire bien, autant faire une présentation avec YouTube. Hein? On fait un petit placement de produit bien discret comme ça, ni vu ni connu, hein, YouTube? Merci. C'est pour l'email que j'ai envoyé et que j'ai pas eu de réponse. Merci. Donc, bon, à part ça, bah, pourquoi j'ai voulu faire YouTube aussi? Bon, ben, il y a tellement de YouTubeurs connus qui ont fait. Moi, je veux pas devenir professionnel. Je préfère conserver mon côté amateur. Ce qui est déjà pas mal. Mais en regardant des vidéos comme Amixem et son clap de fin, moi, évidemment, je ne peux pas faire Amixem non plus. Après, il y a quoi? Pierre Cross, et évidemment, bonjour! Il y a Amy Ether avec son fauteuil de princesse, j'adore aussi. Il y a qui encore? Vodka Prod. Ouais, Vodka Prod, c'est un peu violent, j'aime pas trop, mais j'aime bien quand même. Surtout quand ils sont mixés en pizzagaille avec Amixem. Oui, un clin d'œil aussi à la Red Boss qui va ouvrir chez les Angers. Angers, c'est rien. Oh, moi, j'en sais rien, mais j'ai vu des vidéos, mais j'en sais rien. Voilà, après il y a qui encore Yo, Chelsea, que j'aime bien aussi, c'est une fille qui est un côté plus masculin, mais qui garde son côté féminin, ce qui est pas mal, j'apprécie. Squeezie et ses pompes. En clin d'œil à Bill Cosby, bon, j'en dis pas plus. Donc, et puis j'en place pas mal, et des trucs. Ah, il y a aussi Natou qui fait très rigoler aussi, pas mal. Ses vidéos, nickel. Surtout, le ridicule ne tue pas. Natou, c'est le bon exemple. Et oui, bon, j'en passe, et des pleins d'autres, et des pleins d'autres. Bon, bah, sinon, après, bah, je vais vous parler aussi un peu du carnaval. Donc, pas la prochaine vidéo, peut-être, je sais pas quand, peut-être que la prochaine vidéo, ça sera une vidéo carnaval. J'en sais pas. Bon, bah alors, bah, je vous rappelle, j'ai eu un bonus, j'ai eu une coupure d'enregistrement musical. J'utilise un dictaphone, mais qui a atteint les 10 minutes déjà. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire une coupure, ça sera bonus. Et bien sûr. Ah oui, tiens, aussi, clin d'œil aussi aux Savonus, qui sont un peu déjantés, un peu trop dangereux. Je les conseillerais, mais à moitié. J'apprécie, parce qu'ils ont quand même un humour. Très bien, Savonus, bien sûr. D'ailleurs, je relance un défi au Savonus. Si vous trouvez une pièce, voire même plus, voire 10 pièces, ils se Savonus avec leurs pièces dans leur baignoire. Mais je suis pas sûr qu'ils vont voir ma vidéo, je suis que très très peu connu. Merci.
Donc bah voilà, comme je disais, je vais faire ma prochaine vidéo sur sur le carnaval. J'en suis pas sûr, mais je vais en faire une diffusion de 3-4 minutes, ce qui sera pas mal. Bon, ça sera pas forcément dans le bal, moi qui est de la région dunkerquoise et qui connais assez bien le carnaval. Mais ça sera pas pour cette année. Cette année, j'ai été beaucoup en retrait du carnaval pour raisons personnelles et familiales que je veux pas m'étendre. C'est discret, c'est personnel et je veux pas m'étaler sur ça. Donc, les vidéos carnaval, il y en aura peut-être une cette année, mais les prochaines, ça sera pour l'année prochaine. L'année prochaine, promis, je me rattrape et je fais faire le principal des vidéos et je ne vous les pas. S'il n'y en a pas plusieurs, il y en aura au moins une sur tous les carnavals que j'aurai fait. Merci, je vous comprends. Bon, maintenant, toujours dans le thème du carnaval, on va lancer un peu le truc. Et je vais vous faire aussi, je vais vous parler aussi des autres. Alors les autres, c'est ceux les personnes qui sont autres que les autres personnes connues. Généralement, c'est du ch'ti. Donc vous connaissez déjà au moins un mot ch'ti. Pour ceux qui viennent voir ma vidéo pour la première fois et qui sont hors communication ch'timi. Un zot, c'est une personne extérieure à la personne qui est connue, familiale. Donc zot, c'est autre. Donc voilà, ma vidéo commence à bientôt se finir. Bon, j'espère que vous aurez rigolé. J'espère qu'il y aura du bonus. Évidemment. Bon, ça sera peut-être pas forcément tout le cas, mais aujourd'hui, il y en a, mais il n'y en aura peut-être pas à chaque fois. Merci. Bon, comme vous connaissez souvent le principe sur YouTube, pas besoin de vous expliquer le principe, évidemment. Alors, c'était un zot parmi vous autres. Salut, ciao, à vous autres.